un petit peu des mathématiques. Allez. Alors, moi, je vais te donner ces dés. Et toi, tu vas écouter ce que je te dis. Donc, je vais essayer de me retourner pour pas voir ce que tu fais. D'accord. Donc là, tu prends les 3 dés et tu les jettes sur la table. Tu vois les chiffres du dessus? Oui. Tu les écris sur la feuille en faisant plus à chaque fois. Donc, le premier dé plus le deuxième dé plus le troisième dé. Et tu fais égal. Que les chiffres du dessus. Hein. Et tu écris le résultat à côté. Oui. C'est bon? Tu as un résultat? Oui. Donc maintenant, tu prends, écoute-moi bien, un seul dé et tu le retournes à la face opposée, donc de l'autre côté. Oui. Tu vas retourner, donc juste ce dé, que ce dé-là, ce chiffre du dessus, tu l'additionnes avec le résultat qu'il y a sur la feuille. C'est bon? Oui. Donc là, tu as un nouveau résultat. Oui. Les autres, on les oublie. Tu prends le même dé et tu le relances. C'est bon? Oui. Que ce chiffre qu'a du dessus sur ce nouveau dé, ce, toujours le même dé, oui. Que ce chiffre, tu l'additionnes avec le résultat qu'il y a sur la feuille. Moi, je ne regarde toujours pas. Oui. C'est bon? Donc, tu mets la main sur le résultat, je ne veux pas voir. Attends. Ça y est. Et les autres dés, tu les rassembles oui, sans les mélanger. Ah, ça y est. T'es bon? Oui. Je peux me retourner? Oui. Bien. Donc je ne peux pas savoir lequel de dés tu as jeté deux fois. Ça peut être celui-ci, celui-là ou celui-là. Ça, ça va être dur. Donc comment faire pour connaître le résultat? Le mieux, c'est que je me concentre. Attention. Alors, je me... Je sens le 10, le 11, 12 et je sens le 13. Est-ce que tu as écrit 13 sur ton morceau de papier? On va regarder. Oui. Oh, c'est bien le chiffre 13. Mission accomplie. Comme quoi les mathématiques, c'est bien.